did you leave me? How could you do it? All your professions of love! All your promises! Alors, quand un Artifex Mundi sort, moi je ne peux dire que bonjour mes chers casual gamers et casual gameuses. Bienvenue à tous et à toutes dans, donc, comme je le disais, ce nouveau Grim Legends, la Marie Abandonnée édition collector. Un nouveau Artifex Mundi, et vous savez très bien que j'adore ce studio, donc du coup moi c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer à un... Ah voilà, une nouvelle aventure avec vous. Après nos deux aventures déjà sur... sur les brumes de Ravenwood. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Donc après nos deux aventures sur Ravenwood, nous reprenons un nouveau jeu d'objets cachés qui n'a pas du tout de rapport avec ce qu'on a fait jusqu'avant. C'est une nouvelle aventure complètement inédite. Et du coup, c'est parti. Ah mince! Oui, alors en fait j'ai fait des tests. Bon, du coup je vous ai spoilé un tout petit bout. J'ai fait des tests vidéo, des tests son pour voir si tout marchait correctement. Et du coup il va falloir que je recrée un nouveau profil. Pac pac pac, Nathanaël. Et voilà! Et bah du coup je vous laisse la cinématique, on se met en mode normal et c'est parti. 25 ans plus tard. Can we go any faster? Lily will kill me if I'm late to her wedding. Your sister's been waiting years for you to come home. I think she can wait a few minutes longer. Do you know Edward? He came to our village a month ago, but Lily seems to be happy with him, so... Oh, goodness! Jump! Oh. On retrouve toujours ici la petite patte graphique de Artifex Mundi, franchement c'est très très beau. Wow, du calme. Avec encore plus de 3D. Quelque chose attire la calèche vers le fond, va voir de quoi il s'agit. Je vais essayer de calmer le cheval. Alors, nous avons un livre. On n'a pas de description comme il peut y en avoir dans certains journaux d'objets cachés. On a un système d'indices, on a le guide, mais j'éviterai de l'utiliser au maximum. Et là, on a des petites choses, je ne sais pas encore c'est quoi. Voilà. Alors, attendez. Parce que du coup, en fait, les voix et tout, tout a été remodifié, tout a été remis à fond. C'est parti. Oh non, les bagages sont tombés de la calèche et l'attirent vers le bas. Je dois faire quelque chose. On va vraiment profiter de ce jeu parce qu'il est juste splendide. C'est vraiment un petit bijou. Donc clairement, je vais prendre mon temps. Hein. Je vous préviens d'avance. Ça va pas être un jeu d'objets cachés qu'on va essayer de finir le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une pièce d'or. Là... Un gris-gris en métal. Alors peut-être qu'on a des objets métamorphes, comme dans les anciens épisodes. À voir, attendez. Est-ce qu'il y a un truc qui se modifie par ici? Non, apparemment. Oh, attendez. Non, j'ai cru. J'ai cru pendant un instant. Attention à l'ours. Alors comme quoi la région était protégée? Il y a des protections contre les ours, apparemment. Oh, attendez. Génial. On a récupéré un bâton. Voyons voir.
peut-être qu'il y a un objet métamorphe. Clairement, apparemment non. Pire des cas, c'est pas très très grave, hein, mes chers amis. C'est juste que j'ai vraiment envie de... d'avoir au maximum tout ce que peut offrir le jeu. Alors attendez. Clairement, c'était les deux seuls éléments que j'avais, donc... Hop, on a récupéré un morceau de la paire de ciseaux. Oui. On va couper la corde. Ouh. D'accord. Génial, bon, au moins on a sauvé la calèche. Ouf, merci ma chérie, nous pouvons y aller. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, il y a un petit chat. Oui, il est trop mignon. Oui, il est trop mignon. Oh. Vite, il faut le sauver de là. Comment on va faire? Oh non, ma malle, j'espère que mon cadeau pour Lily n'est pas cassé. Hop, viens petit chat. Viens petit chat. Here, kitty kitty. Minou minou. Minou trop mignon. Ah, oh là là. Je crois que je vais adorer ce chat. Oh, ah oui, nous avons des récompenses. Je vous les montre maintenant. Nous allons avoir des esprits à capturer, des esprits familiers. Il a pris en compte ceux que j'avais déjà pris. Là, du coup, ouais, il a déjà pris en compte certains d'entre eux. Après, du coup, vous allez voir, on va les collectionner au fur et à mesure. Là, on a un système de récompenses. Là, on a des histoires. On a le petit poilu. Il est trop mignon, le petit poilu. Et là, nous avons des images que nous allons collecter au fur et à mesure et qui vont nous permettre de raconter une histoire plutôt interactive. Vous allez voir, au fur et à mesure, c'est vraiment chouette. Ils ont bien bossé dessus. Alors... je pense que... ouais. Merci de l'indication, mais j'avais compris. Mon petit chaton, il va monter. Allez, petit chat. Allez, mon petit chat. Tombe pas, hein. Tombe pas, te fais pas mal. Il a l'air complètement agile, mais tellement agile de l'infini. Hop. Good boy. Génial. On va enlever ça. Oh, you little devil. Petit monstre. Il a joué avec la petite pelote. Fil métallique. Du coup, on va ouvrir le coffre. Avec le dragon. Le dragon. Oh non. My wedding gift for Lily. Non, mon cadeau pour Lily s'est brisé. Il faut que je le répare. Alors, attendez. Ok, là, ça va. Sélectionnez deux pétales pour les permuter de façon à reconstituer le motif. Ah ouais, d'accord. Oh, ça commence bien. C'est assez chouette comme, comme énigme. D'accord, bon, ça va. C'était facile. Déplacez les centres le long des sillons pour les disposer correctement. Utilisez l'emplacement vide à bon escient. Alors, attendez... hop. Et voilà. Accrochez les chaînes de façon à connecter les paires de fleurs identiques. Ah oui, donc on a un nombre de jaunes et un nombre de rouges. Donc là, un rouge, un rouge. Ok. Quatre rouges. Ok, là il y en a 5. Oh, good. It's bon, all right. C'est réparé. We can go now. Nous pouvons y aller. Génial, génial. Bon, bah apparemment j'avais pas d'objets métamorphes, à moins que je les ai déjà récupérés dans une partie précédente, mais du coup, étant donné que j'ai repris à zéro... ouais, bon bah écoutez, tant pis. S'il y avait vraiment un truc à récupérer, ça sera pour plus tard. Allons-y. Wow, le château là-bas, il est dark.
Il est tellement dark. Go find Lily. I'll prepare the horse. Va voir Lily, je prépare le cheval. Oh, il y a une petite fête et tout. Trop classe. Genre, ils se sont rencontrés il y a un mois et ils vont déjà se marier, quoi. Enfin bon, après, vous me direz, c'est aussi la particularité du Moyen-Âge, c'est que on mariait vite fait et on connaissait pas énormément, quoi. La lune est vraiment terrifiante. On dirait une forme de main, ça fait les boules. Là, il y a le château. Oh, vous ressemblez à Tante Lily. Et toi, avec ton yo-yo, va jouer ailleurs. Vous êtes sans doute la sœur jumelle de Lily. Elle vous attend. Oh, j'ai gagné un. Ok, c'est la pleine lune au-dessus des abîmes. Mauvais présage. Madame Potin. Genre, sérieux, il y a une récompense qui s'appelle Madame Potin. Ah ouais, donc du coup, j'ai récupéré. J'ai déjà 8 objets métamorphes sur 28. Bon, bah, du coup. Ok. Ok. Si tu veux jouer à ça. J'aimerais bien voir les 3 sur 3. J'aimerais bien voir les récompenses. Alors, c'est peut-être pas les récompenses du coup. Bref, on les verra plus tard. Ok, on va discuter avec la famille. Je suis si heureuse de te voir, ma chère sœur. Tu m'as beaucoup manqué. Est-ce un cadeau pour moi? Puis-je le voir? Tiens. Il est magnifique, je le porterai ce soir. Je te présente mon fiancé, Edward, voici ma sœur. Ravi de vous rencontrer enfin. Lily parle sans cesse de vous. J'ai l'impression de vous connaître depuis des années. Pardonnez-moi, mais je suis curieux. Vous avez l'air toute retournée. Quelque chose est-il arrivé? Un ours? Mais c'est horrible! Vous auriez pu tomber dans le ravin! J'avoue, les bêtes sauvages doivent rester à leur place dans la forêt. Nous devons faire quelque chose. Après le mariage, mon amour, je ne te laisserai pas partir avant de t'avoir épousé. Allons à l'auberge, j'ai besoin que tu m'aides avec ma robe de mariée. D'accord, ok. Du coup, on a un objectif d'atteint. Oh, c'est la fête, on va pouvoir bouffer et tout. Genre, il y a une petite fille qui danse. La la la. Entrons, tu dois avoir envie de te changer avant la cérémonie. Ouais, allons-y. Oh! Non! Qu'est-ce que c'est? What? Oh! Lily! Lily! Vite, attaquez-le! Attention! Wouah! Ah ouais, c'est carrément plus impressionnant quand même que les brumes de Ravenwood en termes de cinématique. Ça va? Oui, Lily. La bête l'a emportée dans la forêt. Tout le monde est parti à leur recherche. Vous avez l'air d'aller mieux. Je vais les rejoindre. Je viens avec vous. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il s'agit de ma sœur. Bien. Mais restez près de moi. Je vais chercher une arbalète. Il nous faut aussi de la lumière. Il fait très sombre dans la forêt. Wouah, le dawa! Ah ouais, il a tout détruit, quoi. Avez-vous vu cet ours? Il était énorme. Une poutre est tombée sur votre père, il va bien. Wouah! C'est du gros nawak! Oh, attendez. Ah! J'ai trouvé un objet métamorphe. Ah, du coup, en fait, on en a 0. Donc, on repart à 0. Là, du coup, on avait un objet métamorphe. Excusez-moi, il y a par moment, j'ai des baisses de FPS. Ça va revenir tout doucement, hein, vous inquiétez pas. Du coup, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ah oui, il faut que je récupère de la lumière. Oh! Regardez. Une petite fée. Génial! Un esprit trouvé sur 30. Alors, donc, nous avons possibilité de récupérer des éléments. Des éléments de décor qui vont nous permettre de raconter un peu plus en détail l'histoire. Pareil pour les objets métamorphes. Du coup, hop, comme vous pouvez le voir, on a des esprits. On a des objets métamorphes, bref, on a énormément de trucs à débloquer. Oui, donc toi, tu m'as parlé tout à l'heure. Amour, laisse Timmy participer à la fête.
Ensuite, il devra rentrer à la maison. Il est toujours puni pour avoir joué près de ces maudits abîmes. Je lui parlerai en rentrant. Je t'aime. Timmy, est-ce que c'est pas le petit garçon ? Ouais, c'est le petit garçon, du coup. Bah alors comme ça, Timmy ? T'as une autorisation parentale ? T'as une autorisation ? Bref, allez, on récupère un cierge. On va mettre ça dans la lampe. Hop ! Comme ceci. A lantern, eh ? Not too bad. Une lanterne ? Pas mal. Allons-y. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ok, allons-y. Tac, 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 tac. I see them. We have to hurry. Je les vois. Dépêchons-nous. Ah, mais je vois que dalle. C'est trop sombre pour que nous avancions. Ok. On va mettre la lanterne. Allons-y. Oh. Merde ! C'est l'ours ! We have to follow. Oh, il a pris un autre chemin. It's too slippery. Donc en fait, les gens, ils se sont dirigés dans le mauvais endroit. Déjà, ça, c'est mal parti. Ok, alors, là, nous avons une charrette. Laissez-moi faire. Oh, il est tellement galant. Waouh, ah ouais, c'est, il y a quand même une grosse différence entre les brumes de Ravenwood et cette aventure. Sacrément. Ok, on va essayer de bloquer. Oh ! J'avais vu un truc au niveau de la lune et je me suis dit, tiens... bizarre. Donc ça nous fait deux objets métamorphes. Alors, attendez. Un œil. Ouais. Une corne. Là, il nous manque une corne. Ça nous débloque une petite flèche. Une dent. That was easy. C'était facile, hein, ouais. Bah c'était surtout très intuitif en fait. Ok, ok. Alors vous inquiétez pas, il y a pas un moment ça va bugger, j'ai des chutes de FPS et tout d'un coup ça revient. Come on, no time to waste. Vite, nous n'avons pas de temps à perdre. Ok, allons-y. Ouh, il me fout les boules cette course. Ah ouais, d'accord. We have to find a way across. Nous devons traverser ce ravin. Oh, c'est tellement bien fait. Ouais, vas-y, pousse. Moi, je vais essayer de trouver une solution. Si seulement nous pouvions abattre cet arbre. Oh, il y a un énorme rocher. Il y a de l'eau. Good idea. Apparemment. Can you help me? Genre, il est apparu comme ça. Pouf. What? What? Ok, attendez, attendez. Peut-être mettre des pierres. Ok. Je vais pas mettre plus de choses en attendant. Voyons voir. Peut-être un objet métamorphe. Non. On va regarder là. Oh, grâce à cette carte, je ne perdrai pas dans la forêt. Génial. Nous allons donc pouvoir nous orienter un petit peu plus facilement. Hop, on va prendre ça. On doit d'abord détacher la tente. Oups, bon bah on a tout détruit. Ok, un bâton et un chaudron vide. Ah bah attendez, on va récolter de l'eau. Comme ceci. Un chaudron plein. Et nous allons. J'ai un bâton, peut-être être utile. Une pierre fissurée maintient le rocher en place. Ah ouais, c'est la pierre du coup. Génial. On a récupéré une pioche. Non, pas d'objet métamorphe, apparemment. Des fois, on en rate, hein, vous savez. Il se peut que je rate de certaines choses. Au pire, de toute façon, je pourrais retourner en arrière dans les prochains épisodes. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu quelque chose. What? Roulez boulet. Good job. Let's catch the beast. Strike! Faire tomber le tronc au-dessus du ravin. Beau travail, allons attraper la bête. Ok, on va y aller. Ouh, ça fait peur.
Ah, voilà l'ours. Ne tirez pas, vous pourriez blesser Lily. Oh. Ok. Où suis-je? Quel est cet endroit? Eh ben écoutez, on va se poser cette bonne question dans le prochain épisode. Oh, attendez. Oh, je vous donne ceci en dernier bonus. Attendez, regardez le petit visage. Ouf! Et un nouvel objet métamorphe. Du coup, ouais, je vous ferai très très vite savoir la suite de cette aventure. Waouh, je fais des phrases qui ne veulent rien dire. Bref, ceci est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé. Clairement, c'est vraiment un très très beau Artifex Mundi. Mais bon, après, voilà, je kiffe ce studio pour l'instant. Ils font que des merveilles. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert si ça vous a plu. Partagez avec vos amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait plaisir. Continuez comme ça. Et je vous offre de la qualité, que de la qualité. De nouveaux playthroughs arrivent très très rapidement. On va se faire l'ensemble des... C'est pas les Grim Legends, donc là, celui-là, c'est Grim Legends. Mais on va bientôt se faire un ensemble de jeux d'objets cachés qui vont tourner autour des légendes. On va commencer par Eglantine, ensuite on va passer... Je crois que c'est Fable Legends ou un truc comme ça, enfin bref. Et on va passer par tous les contes que vous pouvez connaître, mais d'une façon complètement différente, vous allez voir. Je vais bientôt tourner du Lego aussi pour continuer l'aventure et pour quand même terminer le jeu, mais bon, il nous reste encore un paquet de choses à faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très très vite pour la suite de cette aventure. Gros bisous, bye bye.